Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre une décoration simple à réaliser avec un laser où on va juste utiliser du MDF. Autant on peut faire des choses comme de la marqueterie et on peut aussi faire des choses beaucoup plus simples comme je vous l'ai déjà montré avec l'enseigne personnalisée. Sauf que l'enseigne, c'était un tuto complet. Si vous voulez aller la voir, je vous remets le lien dans le petit i en haut. Ici, c'est beaucoup plus simple. Je vous mets sur le côté la découpe au laser. Vous allez voir, ça se fait tout seul. C'est super rapide. Je vous le mets en time-lapse. Là, je viens de bomber mes différentes pièces. Je les ai simplement bombées en noir rapidement. Vous venez de le voir, bon, j'ai quand même mis 3 couches de noir pour avoir un noir assez intense dessus et pour que le contraste de couleur ressorte bien. L'ensemble à la fin sera entièrement verni et on va contraster entre la couleur du MDF classique qui sera verni à la fin, donc il va foncer un petit peu, ça va lui donner un côté encore plus sympa, et ce noir intense que j'ai pu mettre sur le fond, mais pas que, il y a d'autres pièces que vous voyez ici, enfin du moins vous voyez une partie noire, il y a plein de pièces dessus qui sont peintes, et comme ça on va faire une décoration avec des prénoms qui sont mêlés ensemble les uns aux autres, avec deux décos en plus dessus, et ça en 4 épaisseurs. Donc là, je vais simplement regarder ce que ça donne, et je vais pouvoir coller cette première partie. C'est pas mal du tout. Allez hop, on colle. Alors pour coller quelque chose comme ça, personnellement, je ne m'embête pas. Je prends de la cyanoacrylate, ça fonctionne super bien. Pour ceux qui voudraient aller encore plus vite, vous pouvez mettre un coup d'accélérateur. Personnellement, je n'en mets pas quand ce sont des grosses parties comme ça. Ça me permet de bien les positionner. Ensuite, on appuie, ça presse, ça chasse l'air et ça colle instantanément. Mais ça nous permet d'ajuster un petit peu gauche-droite si on a besoin. Là, on est parfait dès le début. Donc, on vient appuyer. Maintenant, je mets l'autre partie. Cette seconde couche est en 5 parties. On a 2 grosses parties et 3 lettres qui sont dissociées parce que lors de la création, je ne les ai pas fait à se toucher, mais c'était voulu. Sinon, j'aurais eu un décalage beaucoup trop important entre chaque lettre. Et je voulais quelque chose d'homogène. Pas mal du tout. Maintenant, on va pouvoir mettre les parties noires, puisque la première couche est noire, la seconde couche est couleur MDF, la troisième est de nouveau noire pour augmenter le contraste et un petit effet un peu 3D. Et la dernière couche sera couleur MDF aussi, et après, le tout sera verni quand la colle aura bien séché. C'est là où c'est chouette d'avoir un laser de qualité, c'est que tout est parfaitement découpé, comme la fleur de vie qui est ici, tout est parfaitement découpé. Et c'est magnifique d'avoir cette finesse. Vous la voyez à peine, la pièce. Il faut que je la mette de profil pour la voir. C'est d'une qualité assez impressionnante. Et avec cette machine-là, ça fait beaucoup de fumée. Vous avez dû voir les images. Je ne sais pas si c'est fini ou pas, puisque je les ai tournées avant. Il y a beaucoup de fumée avec le MDF, mais ce n'est pas lié à la machine, c'est lié simplement au MDF, puisque ce sont des poussières de bois collées avec de la résine. Et c'est cette résine qui part en fumée quand on découpe le MDF. Cette résine a tendance à tout salir à l'intérieur. Ça se nettoie extrêmement bien au produit à vitre. Sopalin, enfin essuie-tout, produit à vitre, ça se nettoie super bien. Par contre, l'avantage de cette machine-là, elle a des soufflets de chaque côté. Je vous montrerai dans une future vidéo. Elle a des soufflets sur les côtés, ce qui fait que la machine est toujours constamment propre à l'intérieur. Et on n'a que la zone de découpe à nettoyer. Ça, c'est génial. Surtout, on n'oublie pas de coller les points qui ne seront pas rattachés. Donc, les extrémités. Et voilà ce que ça donne. Pas mal du tout.
Je vais maintenant laisser sécher tout ça et je vous reviens tout de suite pour vous, pour moi tout à l'heure, pour mettre le vernis et avant ça, pour lui mettre l'accroche à l'arrière pour pouvoir le suspendre. Parce qu'on ne peut pas simplement mesurer et savoir où est-ce qu'on va mettre notre accroche parce que là, on n'est pas sur quelque chose de symétrique et donc le centre de nos pièces n'est pas forcément le point d'équilibre. Donc il faut trouver le point d'équilibre pour fixer l'accroche au bon endroit. Je vous montre ça tout de suite. Bon, pour moi, ça a séché. Maintenant, je vais retourner et venir mettre une petite accroche à tableau. Par contre, je ne peux pas la clouer ou la visser directement derrière. Donc, je vais la coller à la cyano et la sécher instantanément avec l'accélérateur pour être sûr d'avoir une prise complète partout. Maintenant, il faut que je trouve le point d'équilibre. Donc, je vais pour ça planter une punaise au centre, juste sur 1 mm, pas plus, et je vais la tenir comme ça. Bon, j'ai pas mesuré, je suis tombé pile poil. On est bien équilibré. Normalement, c'est rare de tomber pile poil, on est à quelques millimètres à côté, et il faut la déplacer pour que quand on la tienne par la punaise derrière, comme ici, attendez, je la replante. Pour que quand on la tienne par là, l'équilibre soit parfait, c'est-à-dire que nos prénoms, tout soit bien droit. Là, c'est le cas, c'est nickel. J'ai mon repère avec ma punaise et je viens simplement la remettre ici et ça, comme ça. Alors, vous venez de le voir, ce n'est que du MDF, mais avec un petit peu de travail, on peut en faire pas mal de choses et des choses jolies. Avec des découpes larges comme le fond, mais aussi des découpes super fines comme ici la fleur de vie. L'arbre de vie aussi est un petit peu plus épais, mais il y a certains détails extrêmement fins, voire plus fins que sur la fleur de vie. Avec un laser, on peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est des décorations super sympas à mettre chez soi. Après, on peut panacher avec les couleurs. Là, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le contraste entre le MDF et le noir comme ça. Le tout est verni, ça ne bougera pas. On a l'accroche à l'arrière. Vous l'avez vu, la petite astuce d'utiliser une punaise pour venir trouver le point d'équilibre à l'arrière. Là, j'ai eu un peu de bol, je suis tombé bien directement. Ça fonctionne parfaitement. Notre déco est bien droite, voilà. Avec un laser, on peut faire quand même beaucoup de choses et j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. D'ailleurs, il y a un gros projet avec de la marqueterie qui se prépare, mais je vous en dis pas plus. Je vous montrerai peut-être quelques images de la maquette qui est en cours de création. En tout cas, le résultat est magnifique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai un petit devis aussi. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !